Je tiens premièrement à vous remercier d'avoir accepté notre invitation de participer à l'ouverture officielle de notre nouvel édifice municipal. Comme vous le savez, notre édifice actuel appartenait auparavant à la Caisse populaire de la Vallée de l'Étang. Suite à la fermeture de la succursale de Saint-André, le conseil précédent a entrepris des démarches afin de faire l'acquisition de cet édifice. Pour la modique somme de 1$ et en plus quelques frais d'avocat, nous avons pris possession du bâtiment. C'est à ce moment que le travail a vraiment commencé de notre côté. Le message était clair. On voulait trouver une vocation à cet édifice et à notre ancien édifice, afin de mieux desservir nos citoyens. Nous sommes donc formés un comité interne qui étudie différents scénarios pour arriver à une recommandation possible. En résumé, on revenait toujours avec l'idée d'aménager nos bureaux administratifs à cet endroit, qui est ici. Sa location, son espace physique, la quantité des bureaux, les coffres-forts, le coffre-fort faisait tous pencher la balance vers cette décision. Au nom de l'équipe de la communauté rurale de Saint-André, j'aimerais terminer en vous remerciant chacun de vous de vous être déplacé pour venir partager cette réussite avec nous. Vous êtes tous des partenaires importants pour nous et nous sommes heureux d'avoir un endroit où on peut vous accueillir. Merci beaucoup pour votre attention. On apporte l'hôtel de ville dans le centre de la communauté où ce que tout le monde va pouvoir l'avoir. Je disais à Père Lévesque tantôt que j'avais 40 quelques années quand que j'ai réalisé que l'hôtel de ville était à l'arrière là-bas. J'avais jamais eu besoin d'y aller, mais venant à Saint-André toujours, j'avais jamais vu l'hôtel de ville. Donc, je ne dois pas être le seul. Aujourd'hui, tout le monde pour entrer dans la communauté, la première chose que tu vois en montant, c'est l'enseigne. Puis ensuite, tu vois ce bel édifice, puis où est-ce que les gens font les bonnes décisions pour la communauté. C'est en 2012 que la Caisse populaire de la Vallée de l'Éran a offert ce centre de service à la communauté pour le prix de 1$, avec l'espérance d'enrichir la communauté et de donner un lieu de rencontre agréable pour votre conseil. Un sincère merci à tous impliqués dans ce projet pour votre collaboration et votre support. Nous espérons que vous allez en profiter au maximum. En terminant, je veux féliciter le conseil d'administration ou le conseil municipal pour votre beau travail accompli. Alors allez, félicitations, enfin, l'ouverture officielle a été faite. Oui. Tes impressions là à chaud comme ça là. Moi, je suis même ému. Je suis très content de voir la journée, de l'avoir notre édifice municipal où que les conseillers, conseillères et le maire et ses citoyens vont pouvoir travailler, prendre des décisions pour le mieux de la communauté. Donc, nous avons un édifice qui est très bien. Il y a des gens qui ont des talents de décor, il y a des gens qui ont des talents de toutes sortes de choses. Ils ont tous mis la main à la pâte pour arriver à ceci. Puis, comme maire, j'en suis très fier. Juste le fait d'avoir mon bureau, je riais tantôt, mais vous ne pouvez pas vous imaginer comment est-ce que c'est bien d'avoir un chez vous. Ça fait que là, je peux accueillir les gens, fermer une porte, puis on peut discuter. J'allais vous demander, ça travaille mieux, hein? Ça travaille excellent. Et encore, j'espère que l'édifice sera là pour plusieurs jours. Et aussi, je veux l'ancien édifice, d'en venir en faire un édifice qui va être continuer à être utilisé avec la maintenance et ainsi les associations à but non lucratif. Puis, qu'il y ait dans leur communauté des endroits aussi que eux peuvent gérer leurs affaires et aussi se diversifier. Ben, pour nous, c'est très bien. Ça fait, je suis ému. Je suis content. Thank you.